Salut tout le monde, je suis Brian Deadrush. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au looper le plus puissant du moment, le looperboard Deadrush. Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux effets et à la façon dont les construire, de les utiliser et de les optimiser. C'est parti. Tout en haut ici, vous pouvez voir les catégories. Il y en a une qui s'appelle FX. C'est ici que nous allons commencer. En choisissant cette page, vous verrez 4 symboles plus. Quand je clique sur celui du haut, 6 catégories apparaissent. Vocal, guitare, lofi, dub, drum et studio. Ce n'est pas parce que ma guitare est branchée que je ne peux pas choisir des effets vocal ou lofi ou studio. Pour moi, il n'y a pas de règle dans la musique. J'aime créer des sons, les customiser et c'est ce que je vais faire. Chacun le fait à sa manière. Comme ma guitare est branchée, je vais choisir guitare pour cet exemple. Comme vous pouvez le voir, les presets s'affichent ici, ainsi que le target ou assignation. Appuyez sur les presets, c'est ici que vous démarrez. Je veux quelque chose de clair et de léger. Je vais choisir Clean Soft Chords. Ici, c'est l'option Target. Elle vous permet de sélectionner votre entrée ou votre piste. Je suis branché sur l'entrée 1, donc je vais la sélectionner. Mais si j'avais programmé l'entrée en routage audio pour enregistrer sur les pistes, disons 1, 2, 3 et 4, mais que je voulais cet effet spécifique seulement sur une piste, j'aurais pu le régler ici. Je vais choisir l'entrée 1. Voilà, je vais revenir en arrière. Maintenant que j'ai choisi ces entrées, je veux les éditer et les personnaliser. Alors pour cela, appuyez ici pour ouvrir la fenêtre d'édition et activer différents effets sur vos presets. On a la whammy, l'overdrive, la wah, l'ampli, la modulation, la spring reverb et le delay. Je sais que pour ce son, je veux quelque chose de whammy. Je sélectionne whammy. Vous avez ensuite les paramètres range et pedal. Le range sera l'intervalle au sein duquel le whammy va s'activer. Je vais le pousser un peu. Ensuite, pour l'option pédale, je veux voir la gamme complète de ce qu'une pédale peut faire. Par exemple, vous voyez? Je vais donc l'augmenter au maximum pour avoir l'effet maximum escompté de la pédale whammy. Voyons maintenant pour le délai et ses réglages. Ça sonne comme ça. C'est un peu court. Pas très présent dans le mix. J'en veux plus. J'augmente le mix du délai. Voilà où j'en suis. J'ajoute un peu de feedback pour qu'il dure un peu plus longtemps. Voilà, ça me convient bien. Donc ici, nous avons un ampli. Pour le moment, le drive de cet ampli est un peu bas. Je vais l'augmenter. Ça lui donne un peu plus de oomph. Je vais augmenter ici. Comme nous créons des effets et que nous ajoutons du volume, vérifions notre sortie ici. Voir comment ça se passe. Il y a encore plein de marge, c'est super. Retournons aux effets. Voilà, j'ai créé un son delay un peu bizarre, un peu whammy. C'est cool, mais je vais vous donner quelques astuces. Retournons en arrière et vous verrez apparaître les options en bas pour assigner des commutateurs aux pieds et des pédales d'expression. Commençons par l'expression. Pour le moment, j'ai une pédale d'expression M-Audio basique qui est connectée. J'appuie sur l'expression. J'ai ensuite plusieurs options pour assigner et paramétrer. Pour les utiliser, appuyez sur le symbole « plus ». J'ai ensuite l'option pour l'effet de guitare qui est ici. Je choisis « guitare ». Vous pouvez ensuite assigner la pédale d'expression à n'importe laquelle des options disponibles dans ce menu déroulant. Je sais que pour ce preset, je voudrais un contrôle en temps réel pour cette pédale whammy, pour pouvoir la régler de 0 au maximum dès que j'en ai envie. Je vais donc choisir cette pédale whammy, revenir en arrière, placer le curseur de la pédale d'expression à l'opposé. C'est propre. J'appuie à nouveau. Je peux désormais contrôler la pédale whammy en temps réel, ce qui est plutôt cool. Ce n'est pas seulement un looper, mais aussi une pédale d'effet, ce qui est vraiment super.
Voyons maintenant le paramètre d'assignation du commutateur au pied. Je vais charger quelques autres racks rapidement. Voilà, j'en ai donc plusieurs à l'écran. Si j'appuie sur Foot Switch Sign, ce que ça signifie sur la gauche, c'est que je peux contrôler le canal 1 avec ce switch, le 2 avec celui-là, et ainsi de suite. C'est aussi simple que cela. Admettons que je veuille que le canal 1 s'active seulement sur la wah et ma wami. Je veux que le canal 2 continue de contrôler mon effet guitare. Mais je veux uniquement activer mon délai. Et je veux laisser le canal 3 tel quel. Vous pouvez utiliser cela pour régler ces paramètres. Si j'appuie ici, j'aurai seulement ma guitare activée. Ici, ça va activer ou désactiver ça. C'est un peu comme créer des scènes, mais dans les effets. J'espère que c'est plus clair pour vous sur la manière d'utiliser les effets. Rappelez-vous, il n'y a pas de règles. Amusez-vous. Créez des sons qui vous plaisent. Je suis Brian Nedroche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.